Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce mardi 2 juin. Projet de loi de finances complémentaire pour l'exercice 2020 poursuite des débats ce matin lors d'une plénière au Conseil de la Nation. La LFC 2020 sera votée cet après-midi au Conseil. Lors d'une rencontre de concertation à l'Assemblée populaire nationale, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourhadoum, a réitéré hier les principes sous-tendants de la diplomatie algérienne, à savoir le respect de la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États. Les détails dans ce journal. Également dans cette édition, révision de la Constitution. L'avant-projet porte dans son axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques sur la consécration du principe de sécurité juridique et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse. Dernier bilan de coronavirus en Algérie, 119 nouveaux cas confirmés au Covid-19, 146 guérisants et 8 décès ont été enregistrés. Nous écouterons le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans ce journal. Voilà pour les titres. Mais avant cette information, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a entamé aujourd'hui une visite au siège du ministère de la Défense nationale. À son arrivée au siège du MDN, le président Tebboune a été accueilli par le général-major Saïd Chengeliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, accompagné du secrétaire général du MDN. Comme je vous le disais en titre, texte de loi de finances complémentaires pour l'exercice 2020. Les débats se sont poursuivis ce matin lors d'une plénière au Conseil de la Nation. La LFC 2020 a été présentée hier par le ministre des Finances, Abdelrahman Rabia, devant le Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil intérim. Le texte de loi de finances complémentaires 2020 sera voté cet après-midi au Conseil de la Nation. Lors d'une rencontre de concertation à l'Assemblée populaire nationale, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourhadoum, a réitéré hier les principes sous-tendant à la diplomatie algérienne, à savoir le respect de la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes, ainsi que le respect des règles de bon voisinage, soulignant l'intérêt particulier qu'elle accorde à l'Afrique, surtout à la région du Sahel et son environnement immédiat. Détail avec Abdelmadjid Benkassi. Intervenant pour la première fois devant le débat organisé par la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de l'immigration à l'Assemblée populaire nationale, le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur l'ancrage de la tradition de concertation autour des questions stratégiques liées à la politique extérieure de l'Algérie et l'échange de vues sur les questions d'actualité, notamment le rôle axial de l'Algérie dans les questions maliennes et libyennes. L'Algérie poursuivra son rôle dans le processus du retour à la paix et à la stabilité au Mali à travers la présidence par notre pays de la commission de suivi de l'exécution de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger. En plus des efforts intenses visant à encourager les parties en conflit à respecter leurs engagements. Concernant la question libyenne, en dépit des graves développements sur le terrain dans ce pays, l'Algérie, forte de la grande confiance que lui témoignent les parties libyennes, poursuit ses efforts pour atténuer les tensions et convaincre les différentes parties concernées de l'importance de reprendre le processus de règlement politique. L'Algérie intensifiera ses contacts et ses efforts avec l'amélioration de la situation sanitaire mondiale pour encourager les Libyens à revenir à la table des négociations. À propos de la question du Sahara occidental, l'Algérie poursuivra ses efforts pour sensibiliser la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité, à l'importance du traitement de cette question qui n'a que trop duré, dira le chef de la diplomatie algérienne, qui a renouvelé également le soutien de l'Algérie à la Palestine à travers l'application des résolutions de la légalité internationale. L'Algérie a affirmé à maintes occasions son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et son appel à accélérer la désignation d'un nouveau envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental. L'Algérie continuera d'affirmer son soutien au droit inaliénable du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds occupée comme capitale. La diplomatie économique n'était pas en reste. Elle a également été au centre des débats.
Il faudrait maximiser les opportunités de partenariat économique, de drainer les investissements étrangers, de promouvoir les exportations algériennes et de valoriser la destination Algérie en collaboration avec les différents secteurs concernés. Les débats ont porté d'autre part sur le problème du rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger à cause de la pandémie du coronavirus. Et ensuite, sur le rapatriement également des dépouilles des personnes décédées et leur prise en charge par l'État. Et lors d'un exposé présenté devant les membres de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de l'immigration à l'Assemblée populaire nationale, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bledhen, a annoncé hier la création d'un portail électronique pour l'inscription de plus de 25 000 experts algériens à l'étranger, et ce en vue de leur intégration à l'effort national visant le développement du pays. On l'écoute ensemble. Nous avons discuté de la possibilité d'intégrer les compétences nationales dans l'effort national pour le développement du pays. Et à travers nos échanges avec les centres diplomatiques et consulaires, nous avons à ce jour recensé pas moins de 25 000 experts algériens établis à l'étranger, toutes spécialités confondues. Nous avons décidé de créer un portail électronique pour les y inscrire et créer un espace d'échange et de communication entre les experts algériens établis à l'étranger, les universités, les entreprises nationales ou encore les ministères. Et justement, concernant la participation des compétences algériennes établies à l'étranger dans le développement économique national, une plateforme de financement participatif en Algérie a été lancée. C'est la première du genre. Il s'agit d'investir dont les fondateurs sont des Algériens établis en France. L'idée est de mettre en relation de jeunes créateurs d'entreprises avec des personnes désireuses d'investir dans des projets innovants. Une plateforme simple, ludique et utile. Nazim Siri en est cofondateur. Il nous en parle par Skype depuis Marseille. Plateforme d'Investi, en fait, c'est une plateforme de crowdfunding. Donc le crowdfunding, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est du financement participatif. Et ça vient du mot crowd, qui veut signifier en anglais foule. Donc c'est le financement par la foule. Et en fait, c'est un concept anglo-saxon qui existe depuis au moins une quinzaine d'années. Et c'est en fait un système de financement assez innovant qui permet à des particuliers de pouvoir participer dans le financement de projets innovants, de porteurs de projets. Donc en fait, son concept est très simple, c'est que des jeunes entrepreneurs vont avoir des besoins en financement pour se développer, créer un prototype ou financer leur idée. Et en face, nous avons des particuliers qui, eux, ont de l'épargne et qui souhaitent réorienter cette épargne vers les porteurs de projets. Donc en fait, c'est la rencontre tout simplement de deux acteurs clés de l'écosystème de l'entrepreneuriat, que sont des financeurs privés avec des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises. On essaye vraiment de rassembler ces deux acteurs, c'est-à-dire ceux qui possèdent des financements avec ceux qui en ont besoin. Et la banque, elle va intervenir en aval, c'est-à-dire en fin de processus, puisque l'argent récolté doit transiter par le circuit bancaire. Et surtout, ça peut permettre en fait d'avoir un effet de levier, puisqu'avec la somme récoltée, la banque peut accompagner encore l'entrepreneur s'il y a un besoin de financement supplémentaire ou l'ouverture d'une ligne de crédit. Donc c'est un gage de garantie pour la banque lorsqu'elle voit qu'une entreprise a réussi d'elle-même à lever des fonds pour développer son idée ou son entreprise. Révision de la Constitution à présent, l'avant-projet porte dans son axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques sur la consécration du principe de sécurité juridique et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes et interdiction du contrôle préalable sur cette liberté. Éclairage avec Abdelmadjid Benkassi. L'avant-projet de révision de la Constitution porte dans son axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques sur la consécration du principe de sécurité judiciaire et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes et l'interdiction du contrôle préalable sur cette liberté. Cela en plus de l'introduction d'une disposition portant obligation aux institutions et pouvoirs publics de respecter les dispositions constitutionnelles en relation avec les fondamentaux
et les libertés publiques. La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution porte sur les droits fondamentaux et libertés publiques, où il est introduit une vingtaine de nouveaux droits et libertés dans le cadre de la promotion des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté du culte, d'expression et de la presse. Pour le secteur de la presse, le texte indique que la liberté de la presse écrite, audiovisuelle, des sites électroniques et sur les réseaux sociaux est garantie de façon égale pour tous les médias publics ou privés. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. La liberté de la presse comprend, selon ses propositions, le droit des journalistes d'accéder aux sources d'informations dans le respect de la législation en vigueur. C'est la première fois qu'on voit la constitutionnalisation de la liberté de la presse, le droit à la réparation pour toute arrestation, ainsi que le droit à la vie. Parmi les autres propositions inscrites dans la mouture figure la consécration du droit à la vie, la pénalisation de la torture et la traite des humains, la protection de la femme contre toute forme de violence, mais également le droit au respect de correspondance et de communication privée sous toutes leurs formes, et la protection de l'exercice des cultes sans discrimination, ainsi que l'exercice des libertés de réunion et de rassemblement public sur simple déclaration. Le document comporte également des propositions relatives à la liberté de création des associations sur simple déclaration et dissolution en vertu d'une décision judiciaire, et aussi la liberté de création de partis et que l'administration s'abstient de toute pratique de nature à entraver le droit de créer des partis politiques. Dans le chapitre santé, dernier bilan de coronavirus en Algérie, 119 nouveaux cas confirmés au Covid-19, 146 guérisants et 8 décès ont été enregistrés. Ces chiffres ont été communiqués hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Nous allons vous présenter aujourd'hui, lundi 1er juin 2020, la situation épidémiologique du Covid-19 en Algérie. Au cours des 24 dernières heures, les principaux indicateurs, nous avons 119 nouveaux cas, 146 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 119 nouveaux cas enregistrés, nous avons un total cumulé de 9513 cas, soit une incidence pour 100 000 habitants de 21,7. Nous avons 29 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et 19 wilayas qui sont au-dessus de la moyenne. Et 19 wilayas, au cours des 24 dernières heures, n'ont pas notifié de cas. Concernant les décès, nous avons enregistré 8 nouveaux décès, un à Alger, Blida, El Oued, Constantine, Sétif, Batna, Soukharas et Adrar, ce qui donne un total cumulé de décès de 661. La répartition par âge des décès, nous voyons que 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Les patients qui ont bénéficié du traitement, nous avons 18 470, parmi eux 8 197 cas confirmés au laboratoire et 10 273 à l'imagerie médicale. Concernant les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre ne cesse d'augmenter de jour en jour. Actuellement, nous sommes à 5 894 patients guéris, dont 146 au cours des 24 dernières heures. Les soins en réanimation, nous avons actuellement donc 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Nous rappelons toujours le respect des règles d'hygiène d'une manière générale, de la distanciation physique, du confinement et surtout du port obligatoire du masque, qui sont des mesures essentielles pour protéger la société de la propagation du Covid-19 en Algérie. Je vous remercie de votre attention. À Sidi Abdallah, pas question de baisser la garde afin de contrer la propagation du virus. Citoyens et commerçants veillent au respect des mesures barrières. Port du masque, distanciation sociale, utilisation de gel désinfectant, bref, la prudence est de mise. Kelly Maïfa. Distanciation physique, port du masque obligatoire, des mesures phares prises par le gouvernement pour stopper la propagation du Covid, des mesures respectées à la lettre par l'ensemble des habitants de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, en particulier dans les espaces publics. On est là pour sensibiliser les gens quant à l'importance du port de la bavette et de la distanciation physique. Ces mesures sont vitales, il faut les respecter pour le bien de tous. Je porte ce masque pour me protéger et protéger les autres.
étant les plus exposés au risque de contamination après les soignants. Les commerçants, quant à eux, tiennent absolument au respect des mesures de prévention et des règles d'hygiène. Seule barrière jusqu'à présent pour limiter la propagation du coronavirus. Comme vous le voyez, on porte tous des bavettes, des gants et même des tabliers. On nettoie tout avant d'ouvrir le magasin alors que les clients doivent absolument respecter les règles qu'on leur a imposées, à savoir un seul client à l'intérieur du magasin et le port obligatoire du masque avant d'y entrer. Après le passage de chaque client, on nettoie avec un chiffon javelisé la vitrine, les murs et le présentoir. Le gouvernement rappelle à tous les Algériens la nécessité d'observer les mesures de prévention et de distanciation physique, ainsi que l'obligation de porter un masque de protection dans les espaces publics fermés ou ouverts, tels que les marchés, les magasins ou encore les cimetières. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la ministre de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la Femme, s'est engagé pour accompagner les enfants talentueux disposant de compétences sportives dans les établissements pour enfants assistés et de développer les activités sportives au sein des structures accueillant cette catégorie de la société. Salah Derbel. C'est une fête hors du commun, mais il est dans l'obligation de tous les musulmans de respecter le confinement. Je souhaite à tous les enfants du monde et aux enfants algériens une bonne fête et je prie Dieu de guérir tous les malades. En cette journée spéciale pour la promotion des droits des enfants, la ministre de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la Femme ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports ont célébré cette journée au foyer de l'enfance assistée d'Elbière pour apporter du baume au cœur des enfants en leur offrant des cadeaux. Une occasion pour les deux ministres de créer une collaboration pour développer et améliorer les activités physiques et sportives chez les plus jeunes. Au niveau national, nous avons découvert des talents sportifs et par la suite, nous avons décidé de collaborer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de dynamiser les réseaux de collaboration entre les deux ministères. Nous allons faire en sorte qu'une collaboration ait lieu entre la maison de jeunesse et les centres d'accueil pour enfants. Nous allons également donner de l'importance au sport scolaire qui est l'une de mes priorités afin de rehausser et de développer le niveau du sport scolaire. En ces temps de confinement, les enfants ont besoin plus que jamais d'attention et d'activités récréatives pour baliser leur énergie. Et justement, en ce temps de confinement, les enfants sont souvent chez eux en train d'utiliser tout ce qui est tablette et PC afin de veiller à la protection de l'enfant face à l'utilisation souvent dangereuse d'Internet. Le ministre de la Poste et des télécommunications, Brahim Boumzar, indiquait avoir incité les trois opérateurs de téléphonie mobile en Algérie à lancer des applications de contrôle parental pour surveiller la navigation des tout-petits. En l'écoute, il est au micro de Saïd Fleck. Les technologies de l'information, c'est une lame à double tranchant. On a le devoir de protéger nos enfants sur Internet. On a le devoir, on a incité nos opérateurs de téléphonie à lancer des applications de protection parentale et les différents opérateurs ont joué le jeu et c'était tout à leur honneur. Il y a Mobilis qui a annoncé une application de contrôle parental qui permet aux parents de suivre la navigation de leur enfant, de faire des protections pour ne pas permettre l'accès à certains site internet et d'alerter en cas de danger leurs parents. Même chose pour Rido, il y a un USS code qui permet aux parents de limiter l'accès aux enfants juste au site permis. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzer, en compagnie du ministre de l'Éducation nationale ainsi que la déléguée nationale à l'organe de la protection de l'enfance, ont également, de leur côté, procédé hier à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance via visioconférence à l'annonce des résultats finaux du concours national de composition épistolaire pour les jeunes de moins de 15 ans. Le concours ayant pour thématique cette année écrit un message à un adulte sur le monde dans lequel nous vivons. Couverture Saïd Fleck. Désormais, les 10 lauréats du concours national de composition épistolaire pour les jeunes de moins de 15 ans sont connus. C'est la phase finale
qui a vu la sélection de 2 et 10 candidats de nos élèves. Ce concours a été organisé conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale à travers des sélections régionales au niveau des wilayas pour arriver aux 10 meilleurs candidats qui ont écrit des lettres, écrire le thème de cette année, écrire la lettre à la personne que vous voulez pour lui expliquer l'état du monde. Vous avez vu la spontanéité de nos élèves, leur innovation, leur style. On a été émerveillés par le style utilisé par certains de nos élèves. La symbolique de ce concours, c'est pour redonner le goût d'écriture à nos élèves. On a voulu récompenser nos enfants ingénieux au cours de cette journée qui leur a été dédiée. Des cadeaux seront offerts aux écoliers qui ont brillé à l'occasion de ce concours culturel qui est organisé annuellement par l'Union Postale Universelle. Lancé le 22 février dernier sous le thème « Écris un message à un adulte sur le monde dans lequel nous vivons », ce concours s'est poursuivi jusqu'au 12 mars avec la participation de près de 12 000 jeunes à travers tout le pays. La première place est revenue au petit Abdelkader Boumaza, originaire de la commune de Hassidler, dans la wilaya de l'Arouat. J'écris cette lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mon message, c'est qu'il puisse répandre la paix et protéger l'enfance. Du haut de ses 10 ans, Abdelkader représentera dignement et fièrement l'Algérie au concours international de composition épistolaire dans sa 49e édition organisée par l'Union Postale Universelle. Bon courage à Abdelkader. Dans l'est du pays, et plus exactement dans la wilaya de l'Beyed, les habitants de la commune de Bouktoub se plaignent du manque d'infrastructures et de commodités de première nécessité, telles que l'électricité et l'eau, surtout en ces temps de chaleur. Les autorités concernées n'ont pas manqué de répondre à l'appel des habitants de cette zone enclavée. Commentaire Sarah Derbel. Nous sommes dans le village de Sidi Belaïd, une localité située dans la commune de Bouktoub, wilaya d'El-Beyed. Les citoyens de cette région enclavée se plaignent du manque de commodités vitales, notamment le réseau d'assainissement qui est quasiment inexistant. Face à cet appel urgent, les autorités concernées ont répondu à leur appel. On a enfin bénéficié de ce projet dont on avait vraiment besoin. On remercie Dieu et les autorités. Aujourd'hui, le projet est enfin en marche. On est vraiment content, mais plusieurs choses nous manquent. Encore à l'exemple du transport scolaire ou le gaz. Nous avons déjà réalisé un réseau d'assainissement d'une distance de 800 mètres, coûtant la bagatelle de plus de 5 500 000 dinars. Les travaux ont été lancés aujourd'hui, se terminant dans près de 4 mois. En attendant les autres projets d'assainissement, les élus locaux continuent à soulever les préoccupations des habitants des zones d'ambre pour améliorer leurs conditions de vie. Nous avons besoin d'électricité. Comme vous voyez, les panneaux solaires sont abandonnés. Pour le moment, nous avons l'eau courante. On a juste besoin d'électricité. Le développement des zones enclavées reste un parcours de longue haleine, mais qui mérite amplement d'être traité en priorité. Et du sud-ouest du pays, on part à l'étranger. Minneapolis est passé sans transition du confinement au couvre-feu. La métropole du nord des États-Unis est secouée par des émeutes depuis la mort lors de son arrestation la semaine dernière de George Floyd. Plus de détails avec Yamina Saïdji. Les États-Unis sont secoués depuis mardi par de violentes manifestations dénonçant les brutalités policières et le racisme d'une ampleur évoquant les grandes manifestations contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques des années 60. Suite à l'homicide de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, suspecté d'avoir fourni un faux billet de $20 à un commerçant de Minneapolis, décédé après que Derek Chauvin, un policier blanc, s'est agenouillé sur son cou pendant plus de 8 minutes. L'officier de 44 ans, qui a été licencié le lendemain, a été arrêté vendredi et inculpé d'homicide involontaire. Le drame a indigné à travers les États-Unis, de New York à Los Angeles, de Philadelphie à Seattle.
Des dizaines de milliers d'Américains manifestent depuis une semaine contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. Ces violences ont parfois dégénéré en émeutes, conduisant plusieurs villes à mobiliser la garde nationale et à imposer des couvre-feux. À l'exemple de Minneapolis, où des dizaines de personnes sont rassemblées sur les lieux de l'arrestation de la victime, près d'une semaine après l'arrestation. Les manifestants sont encerclés et arrêtés après le couvre-feu. À New York, les manifestants défilent dans les rues de Brooklyn, prenant part à cette vague de colère qui soulève le pays. Les manifestants se sont également rassemblés près de la Maison Blanche à Washington DC, réclamant justice alors qu'un couvre-feu est instauré dans la capitale fédérale américaine. Le président américain a annoncé par ailleurs le déploiement de policiers et de milliers de soldats lourdement armés à Washington, jugeant que les troubles de la veille dans la capitale fédérale étaient une honte. As we speak, I am dispatching thousands and thousands. Que George Floyd repose en paix. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Amel Haribi. Sinon, vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous. Au revoir.